Il y en a qui fouettent un peu, là, hein. Il a une gueule. Il a une présence. Il a une vraie gueule. Il a une vraie présence aussi. Ah. Le numéro est très dangereux. Gilbert Rozon est dans le numéro. Regardez. Je suis pas rassurée. Pas grave. Il va faire un truc de fou. Bizarre. Pas sûr que j'aime ça. Ouf. Pas ça, moi. C'est un grand malade, ça, là. Un grand, grand malade, là. Wow! Oh là là! Relève. Partagez des moments magiques en regardant la France a un incroyable talent avec lastminute.com. Gilbert, un petit mot.
Simon quand même, parce que... Simon, j'ai failli perdre la tête, Simon. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je n'ai pas du tout pensé. J'ai essayé de sourire jusqu'à la fin, me disant, si je meurs, il faut au moins que je meure avec le sourire. Quoi dire. J'ai essayé de rester digne. Comment vous appelez-vous, monsieur? Arjen Schoen. C'est génial, c'est incroyable ce que vous avez fait. Vous avez amené une dimension mystique. Vous avez une présence et un charisme très fort. En dehors de votre talent, vous avez une gueule d'acteur aussi. C'était parfait. Vous avez réussi à nous amener dans votre univers. Et puis avec cette pression, cette notion d'urgence comme ça et la peur en fait que vous assuriez pas, moi j'étais flippé, vraiment. Donc bravo. J'étais très impressionné et j'ai eu très peur. Alors, vous aussi? Pas autant que moi. Alors, je vais voter oui, mais pour moi. Alors, c'est oui pour moi, bien sûr. Oui aussi, car je veux voir un prochain numéro. Je ne peux pas faire autrement que dire oui. Et moi, oui, bien sûr, mais si vous reprenez Gilbert encore une fois la prochaine fois. 4 oui, à Ronco. C'est 4 oui. T'as vu comment il repère l'espace? Il repère avec la flamme. La flamme. Je savais qu'il savait ce qu'il faisait, mais quand même. Non, moi, la seule chose, même s'il se repérait géographiquement avec la flamme, il ne connaissait pas ta taille. Je suis très content, très heureux. Aaron, comment ça va? Ah oui, d'accord. Ok, donc la dernière fois, tu n'as pas voulu me parler, j'imaginais que c'est la même chose aujourd'hui. Ok, d'accord, ouais, c'est parti. What? Adieu, Hélène. Un peu long. La musique, elle est stressante. Oui, oui. C'est hyper anxiogène, hein? Extra. Mais non. Oh.
Mais non. What the f- Merci beaucoup. C'est tout un numéro, hein. C'est pas possible, mais c'est trop fort tout ça. Bravo. C'est pas bon. Bravo. C'est magnifique. Le sang. Ça a passé, mais à un centimètre de ta tête. Wow. Même sa terre. Oh là 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 là. Vous vous rendez compte de ce que vous venez de voir, les amis? C'est unique au monde. Aaron, c'est extraordinaire parce que ce que vous êtes, vous, la manière dont vous amenez ça, dont vous le racontez, la tension qu'il y a, votre visage, mais c'est merveilleux, c'est l'alchimie parfaite. Hélène, qu'est-ce que tu en as pensé, toi qui étais sur scène? J'aurais rêvé de voir ce numéro de l'extérieur. Merci de ne pas avoir pris ma vie. Hein? C'est une grande performance. Personne n'a jamais traité David Ginola, comme vous venez de le faire. Il était vous l'avez temps. Donné des ordres, des commandes, vous l'avez mis à genoux, enfin, des choses dont on rêve tous avec David Ginola, vous y êtes arrivé. Et j'ai eu très peur pour Hélène aussi, mais j'ai eu confiance en vous. Merci de nous l'avoir rendue, parce que la France a encore besoin d'elle pendant longtemps. Oh, quel racoleur. C'est hypnotisant. C'est trop long pour moi, puis curieusement, je suis complètement captivé. Je peux pas buzzer. Je suis comme vraiment emporté aimanté, par aimanté. Ce. Il peut plus buzzer. On est vraiment dans un suspense réel, avec une chute exceptionnelle. Vous êtes pas un dieu, mais vous êtes pas humain non plus. Il y a quelque chose chez vous de très particulier. Il est diabolique. Oui, mais c'est vrai. C'est très intéressant. Alors, j'avais envie de vous faire que des compliments parce que j'ai pas envie d'être votre prochain victime. Ça, c'est sûr et certain. Merci beaucoup. On va se retrouver avant la fin de l'émission pour vous dire quel est notre choix. Merci de votre présence. Ce garçon-là est impressionnant. Madame. Bah, c'est fort, le mec est fort.